ça, si c'est pas de l'intro, je sais pas ce que c'est. Donc salut à tous et à toutes, c'est Sams et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte sur Street Fighter X Tekken. Alors c'est censé être le jeu ultime de baston, ça l'est pas forcément, voilà, ça l'est pas forcément. Alors c'est pas une petite vidéo découverte, mais ça n'est pas une, hein, ça n'est pas vraiment une totalement. Dans le sens où, j'ai déjà pu jouer sur plusieurs salons, ici et là. Donc bon, c'est pas vraiment une vidéo découverte, je découvre pas vraiment le jeu. Voilà. Donc, ouf. Alors ouais, j'ai eu une version Jap. Alors qu'est-ce que je suis censé sélectionner? On va prendre Studio au hasard. Je pense que c'est le bon. Alors, merci Cal. Voilà, merci déjà, merci Cal, parce que c'est lui qui m'a envoyé le jeu. Il m'a envoyé le jeu parce que il voulait m'offrir un jeu pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'est le 25 avril. Et donc il m'a envoyé un jeu là récemment pour marquer le coup. Donc c'est très sympa. Merci de ta part. Là, il me dit certainement Konnichiwa, Komenasai, Ano, voilà. Et des trucs du genre. Donc, je mets au hasard. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Mais bon, après, voilà, c'est un jeu de baston. Ah, il voulait me m'initier au tutoriel. Donc, on va. Non, merci, hein, le tutoriel, ça va aller. Alors, ok aussi. Alors ça doit être le mode challenge. Donc j'ai pas envie d'aller dans le mode challenge. On va se contenter d'aller dans le mode arcade. Je pense que le mode arcade, par défaut, ça devrait être celui-là. Hop. Ouais, c'est bien le mode arcade. Alors je vais mettre en hardest. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner parce que bon, c'est Street Fighter Cross Tekken, c'est pas du tout, ça a rien à voir avec Street Fighter. Enfin, ça a rien à voir avec Street Fighter 4 ou Super Street Fighter 4. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. 99 secondes, on off. Ça, je sais même pas ce que c'est, on off. C'est peut-être pour accueillir les challengers via le multijoueur. Donc j'ai pas envie, je vais vraiment rester en solo là pour le coup. Alors donc pour les petites familiarités, hein, c'est édité et développé par Capcom forcément. C'est sorti le 9 mars il me semble. Le 9 mars dernier sur PlayStation 3, Xbox 360. Un peu plus tard sur PC. Ça va sortir sur PlayStation Vita aussi un peu plus tard. Et c'est déconseillé au moins de 12 ans. Voilà. Donc ça c'était pour les petites formalités du jeu. On se retrouve sur la version PlayStation 3 comme d'habitude. D'accord, donc en fait c'est... Ah d'accord, oui. En fait les persos DLC, ils les ont bloqués, évidemment. Donc on voit qu'il y a quand même des personnages très importants de l'issue des Street Fighter qui sont coincés. On voit en bas on voit qu'il y a à côté il y a quand même Blanca Sakura. Donc Cody c'est quand même c'est un personnage qui est arrivé bien plus tard, mais quand même on voit qu'il y a Dudley en bas mais attends, Pac-Man il est pas censé être débloqué de base. C'est bizarre ce truc. Il n'est pas censé y avoir aussi Megaman. Alors c'est des personnages bidons, hein, que je trouve vraiment bidons pour le coup, qui ont pas du tout leur place dans le jeu. Ah oui, bah oui, forcément, ici, Bison, c'est Balrog et... Voilà, Balrog c'est lui et Vega c'est lui. Alors voilà, ça c'est les noms officiels, hein, les copains. Tout le monde a l'habitude de connaître, de voir Bison pour ce personnage, de voir Vega pour lui et Balrog, du coup pour le boxeur. Et donc là, ce qu'on voit, c'est les vrais noms, c'est les noms officiels, c'est les noms de la version japonaise. Donc voilà. Donc en vrai, c'est Bison, Balrog,
et Vega. Donc du coup c'est un peu bizarre du coup parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de les voir avec son là. Donc je vais faire classique hein, désolé mais je vais prendre Ryuken. Costume origine. Hop. Je vais prendre le duo que j'estime classique. Voilà. Donc ça c'est les trucs de gemmes, les gemmes j'en ai strictement rien à faire. Et je trouve le principe nul à chier. Et je me tais pour la cinématique. D'accord, donc ils sont vraiment pas foulés pour les cinématiques. Enfin, pour les cinématiques d'entrée de scénar, quoi, en tout cas. C'est hyper décevant. Franchement, dans Super Street 4, on avait quand même des petites cinématiques qui introduisaient le scénar. Là, rien. Un petit background avec un personnage dessiné dessus, ça dézoome. Et puis c'est tout. Ok, les copains. Franchement, pas cool, hein. Ah putain, j'ai oublié de configurer ma manette. Dommage, j'ai oublié de configurer ma manette pour mes touches habituelles. Ah ouais, mais du coup, c'est très bizarre du coup. C'est très très bizarre du coup. Ah oui putain, mais c'est pas les mêmes touches que j'ai d'habitude. Oh là là, mais je suis perdu là sur le gameplay. Ah là là, mais ah ouais, je suis vraiment pas dedans. Alors comment change? Comment change? J'ai besoin de changer, les copains, s'il vous plaît. Mais oui, putain. Je voulais changer de perso. Bah attends, trouver objectif, savoir comment change. Oh là 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 là, bah attends. Je veux juste changer de perso là. Non. Laisse-moi tranquille. Ah mais oh là là, mais je sais pas comment on change de perso là, c'est naze. Bah je vais perdre hein, si j'y arrive pas, ça va être Ah bah voilà, putain. Bon. C'est bon, j'ai trouvé. C'est avec rond et triangle en même temps. Oulala. Ah mais c'est sévère hein, le jeu, il est sévère quand même en difficile hein. Ah non mais je suis déconcerté au niveau du gameplay. Non mais là, j'ai perdu. Faut que j'aille dans les options. Alors je vais quitter hein. Faut que j'aille dans les options.
Faut que je trouve les options. C'est plutôt ça le truc, faut que je trouve. Ça va pas être évident. Voilà. Alors. Alors, logiquement, ça devrait être ça. Option. Oh là, j'ai trop fort. Alors, gameplay. Oh putain, c'est ça. Oh, j'ai trop. Alors. Comment tu veux que je sache? Type A. Type B. Aïe aïe aïe. Je suis un peu dans. L1. L1, L2, R1, R2. Donc ça, c'était bien le coup de poing. Il faudrait que ça aussi soit le coup de poing. Ah, il y a moyen que ce soit celui-là. Alors, attends. Je pense que c'est celui-là. Alors, j'espère que c'est celui-là. J'espère que c'est celui-là. On va voir. Mais non. Alors, hop. Est-ce que ça a sauvegardé? Ouais, ça a sauvegardé. Hop là, alors on va y retourner. Et je vais les défoncer. Si c'est bien ça. Et du coup, je vais baisser un petit coup quand même, un petit cran. Parce que ça avait l'air corsé. Hop. La cinématique, enfin, la cinématique, si on peut appeler ça une cinématique, on l'a déjà vu. Je suis quand même très très curieux de voir ce que donnera le jeu de Tekken. Hein. Tekken Cross Street Fighter, je suis vraiment très très curieux de voir ce que ça va donner. Quand il sortira, s'il sort un jour, vu qu'ils ont pris pas mal de retard dans le développement. Alors, est-ce que c'est bon? Ah putain, là, c'est presque ça. Ah non, 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 non. Ah si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Bah, c'est presque ça, on va quand même faire avec, hein. Hop hop hop. Hop. Quand mes touches elles s'en rapprochent un peu plus, ça change déjà un peu la donne. Je vais pas me la raconter, hein, mais. Alors je connais pas les super attaques dans Street X Tekken, hein. Je sais pas du tout comment ça se passe. Hop.
Enfin, je sais pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que je connais pas les attaques combinées. Parce que je sais qu'on peut faire des attaques combinées, mais. Aïe! Ah, il retombe pas dessus, merde! Par contre, elle est sympa l'arène là, j'aime bien. Putain, y'a même pas de doublage quoi! Enfin, franchement. Même dans Super Street, il n'y avait pas de doublage, mais. J'aurais pu mettre une petite phrase, je sais pas. Faire quelque chose, enfin, je sais pas. Clairement, si vous voulez suivre. Enfin, un clan ou au niveau du. Au vu du premier combat, si vous voulez faire un. Si vous voulez un bon jeu de fight, qui se prend pas la tête, apportez plutôt sur Super Street que sur Street X Tekken. J'espère quand même. J'espère quand même qu'ils vont sortir une édition avec avec tous les persos en plus quoi. Ça serait dégueulasse pour ceux qui ont acheté le jeu de base. Mais bon, faut se laisser attendre de la part de Capcom. Ce serait pas étonnant. Ah ouais, ok. 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 Ouf. Aïe aïe aïe! Ouais! Elle est vénère, elle est énervée! Wouah! Elle était énervée! Bah le truc c'est que le jeu je l'appréhende façon Street Fighter, du coup c'est du coup c'est un peu plus difficile. Non. Aïe 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 aïe. Ah, ils sont en train de me faire mal là. Elles sont en train de me faire mal. Aïe 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 aïe. Elles m'ont défoncé les deux gamines. Oh, je vais quand même changer les persos, histoire de varier un peu. Hein. C'est quoi, ça fait 22 minutes. Je vais me faire. Ah là-haut, la tête qu'ils lui ont fait, sérieux. Bon. Bad guy. Oui, Shenlu. Allez, je vais prendre deux nanas. Et Camille. Voilà. Alors, je joue pas très bien avec ces deux persos. Hein. Je préfère le dire tout de suite. Oula, bison Balrog. Okay.
Ok. Mais ouais, laisse-moi tranquille. Et là, c'est vraiment basé. Enfin, le jeu, il est très très basé sur les combos en fait. Hein, j'ai l'impression. Je suis en train de me faire déglinguer. Je suis en train de me faire mais dégommer la gueule. Ouh là 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 là. Le jeu il est vraiment basé sur les petits combos et tout, c'est chiant. Enfin c'est chiant, c'est vraiment un coup à prendre. Aïe aïe aïe. Tiens mais j'ai l'impression que c'est pas les mêmes coups. Ah bah si. C'est pas les mêmes trucs. Très mauvais, hein. Je suis très 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 mauvais pour le coup. Faut vraiment limite oublier tout ce qu'on connaît de Street Fighter et repartir de zéro quoi. Je vais me faire déglinguer. Hein. J'ai perdu. je pensais que le jeu il serait bah, ce serait comme sur Street. Malheureusement le level est quand même enfin le en fait c'est pas que c'est plus dur en fait. C'est que c'est trop différent. J'ai pas l'impression de jouer à Street Fighter en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas du tout l'impression de jouer à Street Fighter. Alors je vais prendre le duo improbable. Kazuya ou Jin. Oui, est-ce qu'il y a Jin? Allez, Jin. Voilà. Je prends Jin et Ryu. Ah, ce que ça va donner. Ah bah, contre Chun-Li et Camille. Là, on va voir ce qu'elles vont faire contre les paralyses. Je vais me faire déglinguer encore. Les temps de chargement sont longs, hein, quand même. Bon bah perfect, hein. Quand on prend Ryu, c'est plus chute, beaucoup plus. C'est sympa ça, le fait qu'il change. Le fait qu'il change d'arène à chaque fois. Donc pour l'instant vous n'aurez pas encore vu Kazuya mais quand même je pense que... Ouais.
Pour info, c'est Ryu, c'est le perso que je prends. Ah, y a Yang derrière. J'avais pas remarqué au début. Ryu, c'est le perso que je prends sur Super Street, hein, de base. Bon, bah, dès que je perds le combat, bah j'arrêterai à ce moment-là. Pour l'instant, on va continuer un petit peu. Ah, bah Poison. Ça va être le moment sexy de la vidéo, attention. J'aime trop le premier plan sur les nénés de la nana. Ah mais j'ai pas envie de la taper. Ah, y a Zangief qui arrive derrière. Y'a pas un mecha Zangief plutôt. Aïe, il fait mal là. D'accord. Alors je peux pas vous dire si je connais. Enfin, je connais pas très bien Tekken. Hein. Donc oulala, il me fait mal lui. Donc je peux pas du tout vous dire si les attaques qu'il fait, si elles sont dans Tekken ou quoi. Aïe, il fait mal lui. Aouh. On va changer de perso. Jamais. Poison est très coquine. Hein. Aou. Laisse-moi. Les attaques en combo sont hyper dévastatrices. Hein. Là, je pense que le round il va être pour eux. Hein. J'arrive pas à trouver les attaques. Ouais, bon, c'était prévisible. J'ai hyper mal joué pour ce coup-là. Aïe. J'aime pas trop Jin pour l'instant parce que moi bon, je sais pas le contrôler donc forcément. Le prend. Pas mal. Oh putain, pas mal le... Ah, j'ai kiffé ça.
Pas mal le finish de Jean là pour le coup. Ah j'ai bien aimé. Donc on va continuer un petit peu encore. Ibuki contre Rorento. Aïe. Oh putain, j'ai réussi à faire un truc là. Je crois que je commence à capter le système de combo avec les deux persos. Alors il est dur à déclencher le... la sorte de finish de Jean, mais non, mais je pensais qu'elle allait prendre quand elle allait se lever. C'est pas mal en fait. En fait, on peut charger nos attaques. Toutes nos attaques. Enfin, j'ai l'impression que en fait, toutes les attaques, on peut les charger en fait du coup. Attends, je vais essayer de faire un truc. Je vais voir si c'est bien. Oulala, par contre, je vais me faire défoncer là. On va changer de perso. Et bim! Aïe! Voilà! Je pense quand même que ça va être le dernier, ça va être le dernier round qu'on va faire. Ah bah, en plus on termine sur un bon combat. Paul contre Lao, Paul et Lao plutôt. Donc franchement, alors mon d'un point de vue personnel, peut-être que je suis pas objectif après, hein, mais je trouve que ce Street Fighter Cross Tekken n'est pas réussi. Il n'avait pas réussi à cause du fait que c'est trop différent de ce qu'on connaît de Street Fighter en fait. Alors j'utilise pas le système de gemmes, hein. Je trouve que le système il est à chier. Je trouve vraiment qu'il a le système est à chier. C'est pas bien en fait. Je sais pas. Je trouve que c'est cheaté. Voilà. Je trouve clairement que le système de gemmes est cheaté. Donc voilà, après ça engage que moi, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent apprécier ce système, qui doivent trouver ça génial. C'est tout à fait possible. Mais moi j'aime pas, voilà, personnellement j'aime pas. Ah il le prend. Oh non il a pas pris.
Ah bien joué. Mais par contre, voilà, par contre, ça fait plaisir de jouer avec les personnages de ces deux jeux mythiques. Voilà, Street Fighter et Tekken, c'est deux jeux mythiques. Donc c'est, ça fait plaisir de jouer avec les combattants de ces deux sagas. C'est pour ça que vraiment, je suis curieux de voir ce que donnera Tekken Cross Street Fighter. Vraiment, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Non, non. Bon bah j'ai gagné. Putain, time over quand même. Lol. Aïe. Tiens. Non. Mais en fait finalement je trouve que c'est un peu trop easy. Quand tu connais le perso. Ouais, franchement, finalement, je trouve que c'est un peu trop facile, en fait. Bon, bah, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là, les copains. Merci d'avoir... ça fait 40 minutes de vidéo. Merci d'avoir suivi... Bah, merci d'avoir suivi jusque-là, hein, cette nouvelle vidéo découverte sur Street Fighter Cross Tekken. Vidéo découverte qui n'en est pas vraiment une, je le répète. Mais voilà, donc bah, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez passer sur Jeucap, ça fait vraiment plaisir si vous regardez la vidéo sur YouTube, Dailymotion ou ailleurs. N'hésitez pas à passer nous voir. Et puis voilà, donc bah, quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis à la prochaine, tout simplement. Ciao. Oh, 与えてやろう。